Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la cardamine des prés. C'est une plante un peu particulière qui pousse dans les prés, d'où son nom, qui fait partie de la famille des brassicacées. Avant, on l'appelait crucifère. Regardez à l'intérieur, on voit une fleur en forme de croix. Sa feuille est un peu particulière aussi, elle est fortement découpée. C'est une fleur qui va fleurir pendant un court moment, à la même saison que la floraison de l'aubépine des cerisiers. On l'appelle aussi cresson de fontaine. C'est une plante qui est comestible. On peut la voir au jardin, à condition de ne pas trop tondre sa pelouse. On va la consommer comme un cresson, sauf qu'elle a un goût beaucoup plus fort, un goût, je dirais, presque de moutarde. Donc la fleur, on va pouvoir l'utiliser, eh bien, comme substitut de la moutarde dans une vinaigrette, par exemple. Ou alors, avec les enfants, on peut carrément, directement manger la fleur. C'est fort, mais c'est bon.